Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous venez d'entendre cette parabole bien connue, donc qui nous est rapportée dans l'évangile de Saint Matthieu, la parabole de l'ivraie et du bon grain ou de la zizanie. C'est donc une parabole qui est même passée dans le langage commun, puisqu'on dit qu'on parle des semeurs de zizanie, n'est-ce pas? Cela vient de la parabole. Et donc voilà que la question et le problème de cette parabole a tourmenté depuis tous les temps les personnes justement de toutes les époques, de tous lieux. Les philosophes se sont penchés sur cette question donc épineuse, et seuls les théologiens, donc seule la foi, la lumière de la foi, a pu donner une réponse qui puisse satisfaire les âmes humaines. Et donc, évidemment, dans le clair-obscur de la foi, parce que dans cette question et ce problème reste un mystère. C'est Saint Paul qui le dit, Mysterium fidei. C'est un mystère. Quel est ce problème? Eh bien, c'est le problème du mal. La question du mal et de l'origine du mal dans le monde. Et donc, c'est la question, en effet, que posent les serviteurs du père de famille. Le père de famille, c'est le bon Dieu. Les serviteurs, c'est les justes. Justement, à Dieu, dans la parabole, vous venez de l'entendre. Seigneur, vous avez semé du bon grain dans votre champ. Comment se fait-il alors qu'il y ait de la zizanie? Et voilà donc que la parabole nous donne une partie de la réponse. Donc, il y a d'autres endroits dans la Sainte Écriture, dans la tradition, qui nous donnent l'autre partie de la réponse. C'est Saint Augustin, le principal des pères de l'Église, qui s'est penché le premier, qui a été contraint, on pourrait dire, à étudier cette question difficile pour répondre aux manichéens qui disaient qu'il y avait deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Évidemment, c'était une horrible hérésie que d'attribuer le mal à Dieu. De même, eh bien, les juifs judaïsants répondent de façon blasphématoire à cette question en disant que Dieu produit le bien, mais Dieu produit aussi le mal. Et ensuite, après saint Augustin, saint Thomas a approfondi donc plusieurs fois cette question de l'origine du mal et du mal qui reste cependant en partie un mystère, mais que nous connaissons la réponse dans la lumière de la foi. Au sujet de cette question, on peut dire qu'il y a quatre vérités que je voudrais ensuite très rapidement appliquer aussi à la situation actuelle dans la Sainte Église catholique. La première vérité très ferme à donner à cette question est évidemment que le mal ne peut pas venir de Dieu, c'est le bon Dieu. Dieu est la cause première de tous les êtres, il est le créateur de toutes choses. Quand il a eu créé, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Et donc, il n'y a rien de mauvais en Dieu, évidemment. Donc, rien d'imparfait. Dieu ne peut pas causer, ni directement, ni indirectement, le mal, parce qu'il est la bonté infinie. Il est l'amour infini. Il est la miséricorde et la sagesse infinie. La deuxième vérité, c'est que c'est un fait. Donc, évident à tout homme, d'une part, que dans le monde créé par le bon Dieu, cependant, il y a le mal. Et donc, que Dieu, s'il ne cause pas le mal, s'il ne le veut d'aucune manière, s'il ne le cause d'aucune manière, il le tolère. Dieu permet le mal. Et donc, on peut voir qu'il y a trois sortes de maux. Et quant à nous, les hommes, eh bien, le premier mal, c'est celui dont viennent les deux autres. En effet, le premier mal et le seul vrai mal qui existe sur terre pour nous les hommes, eh bien, c'est le péché. C'est ce qu'on appelle le mal de faute, malum culpae, le péché qui est la cause de tous les autres maux qu'il y a sur terre. Et donc, c'est le seul vrai mal, le mal moral, commis par les créatures. Seulement les créatures douées de liberté peuvent commettre le péché, c'est-à-dire les anges et les hommes. Et de ce péché, eh bien, est entré le mal dans le monde. Il y a le mal qu'on pourrait dire de nature, c'est-à-dire qu'il y a dans la nature la maladie, la souffrance, la mort, tout cela est rentré dans le monde par le péché. C'est un châtiment du péché. Il fallait que l'homme paye, eh bien, devant la justice de Dieu, le mal qu'il a fait. Et il y a le mal de peine, c'est-à-dire ces maux que Dieu envoie
uniquement pour punir parce que Dieu est juste et nous devons expier justement les péchés que nous avons commis envers sa bonté infinie, soit dans ce monde, soit dans l'autre. Et donc, bien sûr, le bon Dieu n'a pas, c'est les hommes qui ont fait rentrer justement le mal dans le monde. Le bon Dieu, il est la cause de tous les êtres, cela est vrai, mais justement, le mal, ce n'est pas un être. Le mal, c'est la privation de bien. Donc, comme voyez-vous, la cécité, c'est un mal, mais c'est une privation de bien. Ainsi en est-il, eh bien, du mal moral. Et la troisième vérité, c'est justement la réponse à la question. D'où vient ce mal? Eh bien, la réponse, vous l'avez déjà compris, vous le savez déjà, chers fidèles, le mal vient seulement... Il est rentré dans le monde seulement par la mauvaise volonté des créatures libres, c'est-à-dire des anges et des hommes. Jésus répond clairement à cette question dans la parabole d'aujourd'hui, à ses serviteurs, c'est-à-dire aux justes, qui demandent « Mais comment est-il possible? Vous n'avez semé que du bien, il y a du mal dans le monde. » Eh bien, Jésus répond ceci. C'est l'homme ennemi qui a fait cela. L'homme ennemi, c'est le diable, c'est le démon. C'est l'ennemi, en effet, de l'homme, et c'est, nous le savons, par la Sainte Écriture, c'est lui qui a commis le premier mal, le premier péché, et c'est lui qui a été l'instigateur du deuxième péché, qui est celui de nos premiers parents, le péché d'Adam et Ève. Et c'est lui aussi qui, bien souvent, vient nous tenter, donc justement, vers le péché. Et donc, le mal ne peut être attribué d'aucune façon au bon Dieu, mais il doit être attribué aux hommes. Aux anges qui ont péché, les mauvais anges, non pas les bons anges, et aux hommes. Et le bon Dieu nous le dit dans la Sainte Écriture, « Perditio tua ex te », ta perte, quand les hommes se perdent, si les hommes se perdent, eh bien, cette perdition ne peut être attribuée qu'à eux-mêmes. Alors, vous comprenez donc combien, justement, les hommes sont souvent aveuglés. Évidemment, c'est Dieu qui juge de la culpabilité, mais combien de personnes blasphèment en voyant le mal qu'il y a dans le monde et ils l'attribuent à Dieu. Ils disent « Mais qu'est-ce que fait le bon Dieu ?» Mais le bon Dieu déteste le mal. Et donc, il hait le mal. Il ne veut pas le mal. Et donc, ces personnes devraient plutôt réfléchir et rentrer en eux-mêmes et penser qu'eux aussi, ils sont la cause du mal qu'il y a dans le monde parce qu'ils ont commis des péchés et parfois des graves péchés. Et la quatrième vérité, c'est la réponse à la question « Mais pourquoi le bon Dieu permet, laisse faire le mal ?» Et Jésus nous donne une partie de la réponse dans la parabole d'aujourd'hui. Et l'autre partie de la réponse se trouve dans la Sainte Écriture, à la tradition de l'Église. En effet, quand les justes alors s'adressent au père de famille qui représente le bon Dieu et lui disent « Mais voulez-vous que nous arrachions alors la zizanie, l'ivraie qu'il y a dans votre champ ?» Eh bien, le père de famille, c'est-à-dire Dieu, répond non. Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, la zizanie, vous n'arrachiez en même temps le bon grain. Et donc, le bon Dieu ne veut pas que toute la zizanie, que tout l'ivraie, c'est-à-dire tout le mal, soit arraché dans ce monde. Et pourquoi? Eh bien, on pourrait peut-être penser, n'est-ce pas, comme disent les modernistes, eh bien, parce que peut-être que le péché... Et l'erreur ont des droits, et donc cela irait arracher le mal et l'erreur, cela irait contre la dignité, n'est-ce pas, des pécheurs. Il faut respecter la zizanie, il faut respecter la mauvaise volonté, mais non, ce n'est pas cela, évidemment, la vérité. Donc c'est peut-être ce que disent les modernistes, n'est-ce pas, quand ils disent qu'il faut même bénir le mal, il faut même bénir le péché, ce qui est absolument scandaleux. Il faut même bénir les couples homosexuels, ce qui est un scandale horrible. Même donc à Vatican II, n'est-ce pas, on a dit qu'il fallait respecter les fausses religions. Donc pour eux, il faut respecter l'erreur. L'erreur a des droits, et cela est absolument inacceptable. Et contre la vérité, ce n'est pas ce que dit Jésus dans l'Évangile, ce n'est pas ce que dit la tradition de l'Église. Jésus dit de ne pas arracher tout l'ivraie, toute la zizanie, seulement afin de pouvoir en tirer un plus grand bien. Et c'est pour cela qu'il dit qu'on ne peut pas l'arracher tout entière, donc de peur qu'on arrache aussi le bon grain. Saint Thomas d'Aquin, en commentant cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien dit ceci. Donc Jésus dit qu'il faut arracher l'ivraie,
qu'il faut arracher la zizanie toutes les fois qu'on peut le faire sans arracher en même temps le bon grain, c'est-à-dire le bien, les justes. Mais beaucoup de fois, eh bien, on ne peut pas le... Parfois, beaucoup de fois, on peut le faire, et d'autres fois, on ne peut pas le faire toujours et arracher tout l'ivraie et toute la zizanie. On peut prendre un exemple concret que tout le monde comprend. Il y a la pauvreté sur terre, n'est-ce pas? Le bon Dieu est infiniment riche. Il pourrait, il aurait pu très bien supprimer la pauvreté, mais il ne l'a pas voulu. La pauvreté en soi n'est pas un bien, c'est un mal. Les gens souffrent de la pauvreté. Le bon Dieu ne l'a pas voulu. Il ne l'a pas voulu, eh bien, parce que de ce mal, de la pauvreté, il en tire un plus grand bien. Et donc, on pourrait insister, mais alors pourquoi donc ne pas arracher tout l'ivraie et toute la zizanie? Encore une fois, ce n'est pas pour favoriser le mal, comme disent, semblent dire les modernistes. C'est, dans la pratique, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut laisser croître le mal, laisser croître l'erreur, laisser croître les fausses religions, comme la bonne religion. Mais non, le bon Dieu n'est pas complice du mal. Et donc, pourquoi? Eh bien, pour empêcher qu'on supprime un plus grand bien. Et de quelle manière? De deux façons possibles. La première, eh bien, on empêcherait un plus grand bien en enlevant tout l'ivraie, parce que il faut laisser le temps au mauvais pour se convertir. Si on arrachait tout de suite l'ivraie et tout de suite la zizanie, combien de personnes seraient tombées en enfer pour toute l'éternité? En commençant par Saul, qui est le plus grand des apôtres, qui est devenu saint Paul. Si le bon Dieu l'avait pris au moment où il persécutait les chrétiens, il était de l'ivraie, il était de la zizanie. Et quelle zizanie? Il serait maintenant en enfer, on n'aurait pas le plus grand des apôtres. Si le bon Dieu avait pris aussi au début de sa vie, une bonne partie de sa vie, Augustin, au moment où il était manichéen, cette même hérésie qu'il combattra par la suite, n'est-ce pas, où il vivait dans une vie de péché, il serait en enfer. Et nous n'aurions pas le grand saint Augustin qui est le plus grand des pères de l'Église. Et ainsi, nous pourrions multiplier les exemples. Peut-être nous pouvons penser à nous-mêmes. Si le bon Dieu nous avait pris à un autre moment où nous vivions dans le péché, s'il avait arraché tout de suite l'ivraie, où est-ce que je serais maintenant? Prenons un exemple d'une sainte, sainte Marguerite de Cortone, qui vivait donc dans le péché avec un autre homme, eh bien, pendant plusieurs années de sa vie, le bon Dieu a permis que cet homme meure. Mais il a laissé Marguerite de Cortone en vie pour qu'elle se convertisse, et elle est devenue une grande sainte. Voyez la bonté de Dieu et la sagesse de Dieu en n'arrachant pas tout de suite l'ivraie et la zizanie. Et il y a une deuxième façon dont le bon Dieu tire un plus grand bien du mal. Eh bien, c'est pour procurer un plus grand bien, cette fois-ci non pas au mauvais, mais au bon. La crucifixion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand des maux. C'est le plus grand des péchés, un péché horrible. C'est le déicide. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était crucifié par des hommes et certains savaient qu'il était même le Fils de Dieu. Mais le bon Dieu l'a permis. Le bon Dieu a laissé faire ce crime horrible, ce plus grand péché de tous les temps, pour procurer un plus grand bien, en tirer un plus grand bien. Et ce plus grand bien, c'est un acte d'amour infini de Dieu vers nous. Il a donné sa vie pour nous, qui surpasse infiniment tous les péchés du monde qui ont été commis depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Sans la méchanceté des pécheurs, donc, et des pécheurs qui ont tué notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu la rédemption. Sans la maladie d'un enfant, il n'y aurait pas l'héroïcité de sa maman qui s'occupe de cet enfant jour et nuit et ainsi se sanctifie. Sans aussi la méchanceté des persécuteurs de l'Église, nous n'aurions pas ces grands martyrs qui sont nos exemples dans la confession de la foi. Et voilà, c'est le deuxième grand bien. Eh bien, c'est que le bon Dieu, de ses maux qu'il laisse faire, qu'il permet véritablement, eh bien, il permet aux bons de porter leur croix. Car cela se résume à cela, que les bons puissent porter leur croix de façon méritoire à la suite de leur maître. On raconte qu'un jour, un ermite pleurait. Et alors, ses amis vinrent le voir et ils essayaient de le consoler. « Mais pourquoi pleures-tu ? » Elle lui répondit « Parce que je n'ai plus de croix. »
et je pense que le bon Dieu m'a abandonné parce que je n'ai plus de croix. » Voyez-vous, quand on accepte la croix, évidemment cela vient de Dieu, c'est surnaturel et non pas naturel, eh bien on se sanctifie. Le bon Dieu permet les croix, aussi infligées par des méchants, afin que nous nous sanctifions. Et donc voilà pourquoi le bon Dieu pourrait empêcher parfois tel mal, telle persécution, tel péché aussi, telle chute peut-être de nous-mêmes, mais il veut en retirer un plus grand bien. Par exemple, en pleurant mes péchés, en voyant comme je ne suis rien, en tirant ainsi une plus grande humilité. Mais à la fin, évidemment, eh bien, le bon Dieu va triompher. Et ne croyez pas, chers bien, ne croyons pas que l'enfer est une faillite de Dieu, une défaite de Dieu. Non. À la fin du monde, Dieu va séparer, cette fois-ci de façon définitive, le bon grain de l'ivraie. Et donc, il va faire resplendir sa miséricorde infinie dans le paradis, où les élus chanteront la miséricorde de Dieu infinie envers eux, parfois des grands pécheurs qui sont devenus de grands saints. Et il y aura aussi l'enfer, où il y aura les damnés qui, eh bien, de l'enfer, eh bien, fera resplendir la justice infinie de Dieu. Tout le monde pourra voir la grandeur infinie de Dieu dans toutes ses œuvres. Et saint Augustin, dans le bréviaire d'aujourd'hui, commente ce passage de l'Évangile en disant que particulièrement cette zizanie, cet ivraie, représente les hérétiques. Les hérétiques n'ont pas la foi, n'ont pas la vraie foi, même si parfois ils font encore apparemment partie de l'Église. Devant Dieu, ils ne font plus partie de l'Église parce qu'ils n'ont pas donc la foi. Appliquons un instant, chers fidèles, pour finir cette doctrine du mal à la terrible tempête ou crise qui secoue l'Église catholique maintenant depuis plus d'un demi-siècle. Pourquoi le bon Dieu a permis ce mal immense? Eh bien, le bon Dieu l'a permis, c'est certain, pour purifier la foi des justes. C'est saint Paul qui le dit. Dans la première épître de saint Pierre, « Afin que votre foi, ainsi éprouvée, plus précieuse que l'or que l'on éprouve par le feu, tourne à votre louange, à votre gloire, à votre honneur, lorsque paraîtra notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc voilà que les hérésies de Vatican II, les erreurs et les hérésies de Vatican II, nous mettent dans une position très difficile, parfois. C'est une situation dramatique. Et cette situation nous contraint à vivre de notre foi, nous contraint à mettre en pratique toujours plus notre foi, à développer notre foi, à la purifier, comme dit donc saint Paul, elle doit être purifiée comme l'or, à approfondir notre foi et à être prêt, chers fidèles, vous aussi, à répondre pour vous défendre, pour défendre aussi l'honneur de Dieu, à quiconque, dit saint Pierre, nous demande compte de notre espérance, afin que ceux qui décrivent la bonne conduite que vous menez dans le Christ soient confondus de ce qu'ils vous calomnient. Le modernisme, c'est la réunion de toutes les hérésies qui ont existé, c'est saint Pédis qui le dit, depuis l'arianisme jusqu'à la dernière hérésie. Et donc, les hérésies, ce sont des idées. Les idées se combattent par des idées. Les mauvaises idées se combattent par des bonnes idées. Voilà pourquoi, chers fidèles, il faut aussi, pour tenir bon et pour être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette terrible tempête qui secoue l'Église, s'instruire dans la foi. Nous n'avons pas le droit, vous n'avez pas le droit de rester ignorant dans la foi. Certes, il faut prier. Certes, il faut s'efforcer d'avoir une vie vertueuse, il faut fréquenter les sacrements, il faut prier, donc il faut s'efforcer de toujours vivre en état de grâce. Mais il faut aussi étudier la foi. Parce que nous devons défendre la très sainte foi. Et je voudrais finir cette fois-ci en répondant juste à une objection, pour vous montrer l'importance de cette formation dans la foi tout au long de notre vie. Une objection contre nous qui sommes catholiques, qui défendons la foi, et qui se veut contre l'indéfectibilité de l'Église en disant « votre position, vos convictions sur la situation actuelle de l'Église vont contre l'indéfectibilité de l'Église ». Cela revient à dire, disent nos adversaires, vous dites que l'Église a failli, a défailli. Et donc, pourquoi disent-ils cela? Parce que le cédévacantisme, disent-ils, est apparu tardivement, après Vatican II. Et tous les évêques sont tombés, alors, selon ce que vous dites, dans l'hérésie. Eh bien, cela est faux, chers fidèles. Le cédévacantisme existait au sein même
de Rome, de l'Ola, l'Aola, donc de Rome, n'est-ce pas, durant Vatican II, et avant même les décrets qui ont été hérétiques, qui ont été donc imposés par Paul VI. En effet, avant même que Paul VI, il y ait ces décrets hérétiques, comme Dignitatis Humanae, ou plein d'erreurs, comme Nostra Aetate, eh bien, dans tout le collège apostolique a été distribué un livre écrit par un pseudonyme, Maurice Pinet. Il y avait le père Saenz, il y avait beaucoup de Mexicains et d'autres catholiques qui ont écrit en commun ce livre qui s'appelle « Complot contre l'Église ». « Complot contre l'Église » est un livre que vous pouvez encore acheter, que vous pouvez lire et qui est très instructif, a été distribué en octobre 1962 au Concile Vatican II. Ensuite est venu le traditionalisme en 1969 avec la défense de la vraie messe. Et d'ailleurs, tous les défenseurs, les principaux, pardon, défenseurs de la messe de Saint-Pie-V contre le Nouvel Ordo étaient cédévacantistes. Donc le cédévacantisme n'est pas tardif. Il est même arrivé avant la défense de la Sainte Foi, si on peut dire comme cela. Le père Guérard, le père Barbara, l'abbé Coache étaient tous des cédévacantistes. L'abbé de Nantes avait une position, c'était le plus connu à ce moment-là, en France en tout cas, de ceux qui résistaient à Vatican II, avait une position qui, à cette époque, s'approchait beaucoup du cédévacantisme, puisqu'il disait qu'il fallait déposer Paul VI. Et Monseigneur de Castromeyer, eh bien, il diffusait partout le livre la nouvelle messe qu'en penser de Arnaldo Xavier da Silveira. Et la position de ce livre, de l'auteur de ce livre, c'est que Paul VI était déposé ipso facto. Et donc, voyez-vous, le cédévacantisme n'est pas quelque chose de tardif. Il a toujours existé depuis le début de cette terrible crise qui nous fait tant souffrir et qui nous fait aussi tant mériter. Et ce n'est pas vrai, on peut le dire, que tous les évêques ont perdu la foi et adhéré aux hérésies de Vatican II. Vous savez qu'il y avait le Cetus Internationalis Patrum durant Vatican II, avant même, justement, eh bien, ces décrets, donc plein d'erreurs ou parfois d'hérésies. Et donc, c'était des évêques qui participaient au conclave, au concile, et qui, à Vatican II, et qui donc étaient contre tous ces changements, et aussi dans la doctrine. Et ils ont voté contre ces documents. Après, il est vrai qu'ils ont reconnu, comme successeur de Saint-Pierre, eh bien, donc Paul VI, n'est-ce pas, et parfois même ses successeurs, mais on ne peut pas dire qu'ils ont perdu la foi. Ils ont combattu autant qu'ils l'ont pu, peut-être pas aussi bien qu'ils l'ont pu, mais ils ont combattu donc pour donc la défense de la très sainte foi. Ils se sont opposés aux erreurs de Vatican II. Vous trouvez ces réponses dans, par exemple, dans le numéro 55 de Sodalitium, c'est la réponse donc à la Tradizione Cattolica, qui est la revue de la Fraternité Saint-Pidis, donc en Italie. Donc il y avait à l'époque un article très long de l'abbé Pagliarani contre notre position, et donc monsieur l'abbé Ricossa répond point par point à toutes ces objections. L'Église continue, vous le savez, elle a toujours continué, elle n'a jamais manqué, même si malheureusement nous sommes privés de magistère en acte infaillible et donc de pape. Demandons, chers fidèles, la grâce de la persévérance, parce que nous espérons être du bon grain, mais nous risquons toujours, n'est-ce pas, de changer. Nous pouvons aussi devenir, eh bien, de livrer. Il faut rester humble, remercier Dieu des grâces qu'il nous a données et continuer le bon combat et nous efforcer aussi de nous sanctifier et de nous former. Je vous invite à relire la collecte de la messe d'aujourd'hui dans laquelle, justement, nous confessons humblement devant le bon Dieu que tout le bien que nous le faisons grâce à son aide, à sa grâce, justement, surnaturelle, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.